tous, aujourd'hui on est le 5 février, nous sommes mardi et il est 8h moins 10. Sarah a déjeuné, elle est habillée, on attend juste l'heure pour partir à l'école. Elle est en train de regarder à pas de patrouille, les filles quant à elles sont toujours dans la salle de bain. Voilà, du coup aujourd'hui c'est journée course et puis aujourd'hui tu as des trucs à faire aussi à la maison toi Matt. Si, t'as ton mec là, qui vient aujourd'hui. Il faut aussi qu'on achète des chaussons pour Sarah aujourd'hui parce qu'ils sont trop petits, les siens de l'école, et on a oublié d'en acheter la dernière fois qu'on a fait les courses, donc samedi. Donc là, il faut absolument qu'on y pense aujourd'hui. Hein, c'est vraiment crapaud. Donc du coup, là, on finit de se préparer tranquillement et puis on se retrouvera tout à l'heure. Regardez-moi ce crapaud. Qui prend le biberon du matin. Je suis un peu fatiguée. Du coup, j'ouvre pas mes yeux. Mais je tiens quand même la main de maman. On sait jamais. Quelquefois qu'elle sent. Qu'elle ah, j'ai un petit œil d'ouvert histoire de dire bonjour aux abonnés. Bonjour, bonjour. Mais je pars me coucher, hein. Elle est un peu rigolote, ta soeur. C'était trop mignon. Bon allez, on continue de se préparer. Et voilà, il est 8h, un petit peu avant écart. On va dire qu'il est 13. Les filles viennent de partir à l'école. Ma foi, ça s'est plutôt bien passé pour Sarah. Donc c'est cool. Là, Mathieu va m'envoyer un message comme d'habitude pour me dire si ça s'est bien passé. Mais elle était contente d'y aller. Donc c'est cool, tant mieux. En plus, je l'ai rassurée parce que je lui ai dit qu'elle n'allait pas à la cantine jusqu'aux vacances. Là, je la mets pas, comme ça, il y a pas de stress. Elle va à l'école tranquille et puis... Le vendredi, elle mangera à la maison au lieu d'aller à la cantine, tout simplement. Voilà. Du coup, moi, ce matin, c'est que du petit ménage parce que ma maison, franchement, elle est propre. Là, j'ai juste 2-3 petits linges là à ranger. On a déjà rangé le reste ce matin. J'ai juste ça. Mais ça va dans la chambre à Sarah et Roxane. Et comme Roxane est déjà partie redormir, je le rangerai quand elle sera réveillée pour ne pas l'embêter. Parce que vous avez vu, quand elle a bu son biberon, elle était complètement... ailleurs, donc là voilà, je la laisse dormir tranquillement. Ma cuisine, c'est pareil, j'ai 2-3 trucs à enlever. Ça va être vite fait ce matin. Là, faut juste que je me pose sur l'ordi pour bosser un peu. Ça, c'est le truc que j'ai horreur, c'est dès le matin être posé sur l'ordi. J'aime pas ça, mais j'ai pas le choix. Il faut que je mette les miniatures sur les vidéos, etc. Enfin, les petites annotations de fin que vous voyez souvent, régulièrement. Faut que je le fasse avant que le vlog soit en ligne. Donc du coup, c'est le truc que j'aime pas. En fait, dès 8h être sur l'ordi, j'aime pas. Bref, allez, je me mets au boulot et puis on se retrouvera tout à l'heure. Bon, ben voilà, j'ai eu Matt au téléphone. Il me ramène Sarah parce que sa maîtresse a fait grève. Voilà, il n'y a aucune maîtresse à la maternelle. Donc voilà, même quand elle va aller à l'école, eh ben, il n'y a pas d'école. Hein. Donc aujourd'hui, il y a grève et puis apparemment, jeudi, elle n'est pas là non plus. Donc ça veut dire que Sarah, elle n'a pas école de la semaine vu que vendredi, elle restait avec moi. Et ben voilà, super pour elle, ça fait 2 semaines qu'elle va pas à l'école, nickel. Voilà, elle va y retourner juste la semaine avant les vacances, tranquille. Ah voilà, donc du coup Mathieu me la ramène, là elle a déjà dit à Matt, je vais aller faire dodo avec maman. Donc voilà, c'est qu'elle est fatiguée en plus. Donc ben voilà, hein, c'est comme ça, puis c'est tout, hein, c'est comme ça. Bon, elle va être contente. Hein. Du coup, je pensais avoir une petite journée tranquille en maman solo, ben non. Voilà, mais je m'en doutais aujourd'hui qu'il allait avoir grève, puisque... On en avait pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux qu'il y aurait une grève générale. Je pensais que la maternelle allait être plutôt, comment on dit, pas dans le lot, quoi, et que ça serait plutôt la primaire. Au final, c'est la maternelle et pas la primaire. Bref. Bon, bah, il me ramène Sarah. Voilà. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait que t'es pas à l'école? Alors, elle est où ta maîtresse? Je sais pas. Elle est pas là? Oh, la coquine a fait grève, la maîtresse. Oh, bah du coup, t'as pas d'école. Oui. C'est cool, hein? T'es contente? Oui. Allez, tu te déshabilles. Bon, les amis, je viens de couper le vlog, là, il y a 2 secondes. Je dis à Sarah, fais voir ta dent, que je regarde bien. Donc, elle bougeait carrément. Je lui dis, mais tire un peu dessus, tu verras, elle va partir. Et attention, sourire. Elle a perdu sa dent. D'ailleurs, il va falloir aller chercher un petit papier parce que tu saignes. Va chercher, mais ça, c'est normal. Donc, ça veut dire que la petite souris, ce soir, elle va passer.
Fais voir ta petite dent. Voilà, elle est là, sa petite dent. Voilà. Elle est toute contente. Elle a perdu sa petite dent. Elle est contente. Bon, ben encore une dent perdue. Ah, mon crapaud. Toi, tu t'en fous. T'as tes cheveux en l'air. Voilà. S'en fout, Roxane. Il est maintenant midi 25. On a fini de manger. Il faut encore qu'on débarrasse la table. Là, les filles sont en train de jouer dans leur chambre. J'en ai marre de ce chien. Donc les filles sont en train de jouer dans la chambre. Roxane chouinait pas mal à table, elle a grignoté. Mais ça a vachement du mal à passer. Elle a toujours ce nez qui coule. Je me demande si c'est pas des dents. Franchement, je sais pas. Je sais plus avec elle. Enfin bref, du coup là, nous on va faire la liste de courses et les listes de menus. Oui. Allez, courage, courage. Les filles sont parties à l'école. Du coup, Sarah et Roxane sont dans le bain. Moi, j'étais à la recherche de chaussures de poupée LOL puisque Sarah a perdu une paire. Enfin, elle a une chaussure de chaque et elle n'arrive pas à retrouver la deuxième. Donc, vu qu'elle n'a pas du tout de jouets, il fallait que je cherche là-dedans. Pour l'instant, je n'ai pas retrouvé. Donc, je ne sais pas où elle les a mis. Pourtant, je lui ai dit de les ranger, mais c'est Sarah en même temps. Hein. Autant que sa chambre est plutôt bien rangée, mais pour les petits objets, elle aime bien les foutre un peu n'importe où. Et puis, nous, on ne retrouve plus après. Donc, bon, bah voilà. Tant pis. Sinon, Mathieu rentre plus tôt aujourd'hui, il rentre vers 15h parce qu'il a un truc à vendre et le mec il vient à 15h, donc du coup c'est cool parce qu'il va rentrer plus tôt. Et sinon je suis trop contente, je vais regarder si ça a toujours pas bougé, mais on était à la barre des 60, je vais regarder si ça a pas bougé, mais normalement non, j'espère en tout cas, même 61. Je suis trop contente, enfin on y est passé. Trop contente, merci. Je suis trop contente, c'est une bonne journée pour moi. Ça faisait un moment que j'attendais qu'on passe aux 60 parce qu'en fait je faisais 58, 59, 58, 59, 58, 59. J'arrivais pas à passer aux 60, j'ai dit Mathieu, c'est pas possible, on va jamais y arriver, à arriver à ces foutus 60 là. Et ça y est, on est passé aux 60. Je suis trop contente, encore une nouvelle fois, je vous le dis souvent, mais sans vous, sans les abonnés, il n'y a pas de chaîne YouTube, il n'y a pas de suivi derrière. On n'aurait pas ça sans les abonnés, donc... Oui, je vous le dis souvent, oui, pour certains, je suis chiante, mais c'est pas grave, je vous dis merci quand même aux 60 abonnés qui font partie des 60 petits hiboux. Je vous remercie pleinement et en tout cas, continuez de parler de ma chaîne, continuez de partager, c'est très important pour moi. Et ça me fait super plaisir et encore une fois, ça m'encourage à continuer. Ça veut dire que ça vous plaît et que le contenu est intéressant pour vous, donc je suis super contente, voilà. Je suis contente, c'est une bonne journée. Bon allez, je vais m'occuper des filles et puis on se retrouvera après une fois que j'ai fait ma douche parce qu'il faut que j'aille me laver quand même entre deux. Hein. Et il faut que je monte le vlog aussi. On se retrouve les amis, il est 15h05. Donc du coup, j'ai fait ma douche, j'ai monté mon vlog, je suis tranquille. Sarah est juste là, elle est en train de manger des crêpes. Voilà, et puis de regarder les dessins animés. Moi j'étais tranquillement à la fenêtre en train de profiter de notre joli ciel bleu. Regardez-moi ça. Il y a trop longtemps qu'on n'a pas eu un joli ciel bleu comme ça. Ça fait trop du bien. Même pour la luminosité du vlog, franchement, c'est excellent. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai ma soeur qui est en train de m'envoyer des messages. Et comme d'habitude, je ne vais pas réussir à lire ce qu'elle m'écrit et vous parler en même temps. Il est grand temps que je m'achète un appareil quand même. Hein. Bon, coucou les amis, on se retrouve, il est 16h27. On est un petit peu en retard pour aller chercher les filles, mais bon, c'est pas grave, elles vont attendre 5 minutes. Enfin, des fois, le maître, il sort pas toujours à l'heure, donc bon, voilà. On a un super beau soleil qui est toujours là, là, depuis tout à l'heure que je voulais filmer. Et il fait super bon, il fait 9 degrés. Il fait super bon, enfin, il fait froid, je vais pas vous dire que j'irai bras nu dehors, quoi. Mais, ah, ça fait trop du bien, les amis, ce soleil-là. Et regardez-moi ça. Waouh, il a sorti les lunettes, quoi. Moi aussi, je crois que je vais mettre les miennes parce que j'ai les yeux explosés. Ah. Bah toi, normalement, elles sont derrière, hein, tes lunettes, non? Ah non, elles sont là. Attention, Sarah va mettre ses lunettes aussi. Attention, attention. Oh non, elles sont tombées, c'est ça? Bon, après cette perte de doudou et de titine, voilà Sarah avec les lunettes. Waouh, ça sent le printemps chez nous, je vous le dis. Évidemment, il flotte, quoi. Non, mais rien que ça, de mettre des lunettes de soleil, qu'il fasse pas hyper froid dehors et qu'il fasse du soleil. Oh,
Ça remonte le moral, c'est un truc de malade. Hein, c'est vraiment petit chat. Ouais. Ça fait... Franchement, ceux qui disent que le soleil, ça joue pas sur le moral, je suis carrément pas d'accord. Quand il fait gris, t'as envie de rien faire. Mais quand il y a du soleil, ah, ça fait du bien. Bon, allez, trêve de bavardage. On y va, c'est parti. On va faire les courses. Il est maintenant, je dirais 17h30, non ? Quelque chose comme ça. À 17h43, j'étais pas bien loin. On a fait les courses à Leclerc, ça c'est fait. Là, on file mettre de l'essence, après on file à Kiabi récupérer la commande que j'ai fait la dernière fois. Et puis après, on rentre, ranger les courses, etc., etc. Encore plein de choses à faire. Plein. Mais bon, ça va, ce soir, il n'y a pas de devoir, donc on court un peu moins. Et puis demain, c'est centre, donc c'est moins, moins la course que quand c'est l'école, quoi. Tranquille, tranquille. On est rentré à la maison, là on a rentré les courses à la maison, il faut encore les ranger. Moi il faut que je regarde si dans la commande de Kiabi il y a bien tout ce qu'il faut. Et Mathieu est en train de mettre de l'huile, enfin du pétrole, j'appelle ça, c'est pas du pétrole, enfin hein, du truc pour mettre dans le chauffage. Voilà, allez on continue. Voilà, les habits des filles c'est tout essayé, tout leur va, je suis contente. Raphaël, les robes sont encore un chouïa grande, mais alors... ça, d'ici cet été, elle aura poussé, donc ça ira très très bien. Du coup, là, Mathieu, il est en train de défaire les chaussettes. Puisque à Leclerc, il y avait une promo chaussettes femmes, chaussettes hommes. Les hommes, les chaussettes comme ça, il y en a 12 paires et on les a payées 8,95. Et moi, il y en a combien de paires, tu sais ? Je sais pas. Je sais pas combien encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dirais 8 paires pour 4,95. Donc franchement, ça va le coup. En fait, ça vaut le même prix, mais parce que toi, t'as le double. Moi, toi, t'en as 12 et moi, j'en ai que 8. Tout simplement. Donc ça valait le coup parce que moi, j'avais plus de chaussettes. Je piquais celle des filles. Vous avez vu comment elle est bonne en maths ? Oui. Parce que 8, enfin 4, 12, c'est pas le double de 8. Oh, bref, ils ont compris. C'est pas grave, je suis nulle en maths. J'en ai pas honte, c'est comme ça. Bref, on s'en fout. Donc du coup je vous disais que je suis contente d'avoir trouvé des chaussettes parce que moi j'en avais plus du tout une paire et je piquais celle des jumelles où j'étais un peu serrée dedans, bien que Raphaël fait du 36 et que moi je fais du 37, donc bon, voilà, ça allait bien, mais bon c'était pas mes chaussettes quoi. T'as vu, je suis gentille que même je te les plie. Donc du coup là j'ai mes chaussettes pour moi, je suis trop contente. Et puis Mathieu il aura plus des chaussettes à trous, pas pour longtemps parce que ça va pas durer longtemps dans ses chaussures de sécu, mais bon au moins pour aller jusqu'à l'été, normalement après tu mets plus de jusqu'au prochain promo. Voilà, jusqu'au prochain promo on devrait se faire un stock de camions de chaussettes. Ouais. Hein. Non mais normalement je devrais changer de chaussures de sécu dans pas longtemps. Ça devrait aller mieux. Bah même, il va ça trous quand même les chaussettes. Hein. Moi. Du coup il faut aussi qu'on prépare à manger. Oui. Ce soir, c'est quoi, on a dit pommes rissolées, omelette. Omelette frites. Omelette frites ce soir, ouais. D'accord, voilà. Omelette frites, ouais. Ça me va aussi. Pour changer un peu, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de frites. Voilà, parce que chez Nat, toi, t'en as eu le droit, mais moi, non, j'ai eu des pâtes. Alors, voilà, moi, je vais manger des frites. Et puis après, il faudra que je monte mon vlog. Et en plus, c'est des en plus, ce soir, il faut qu'on regarde le replay de l'amour et dans le pré. Ouais, je sais, si on peut. Bon, allez, c'est parti, on continue. Si on a le temps, hein. On se retrouve les amis dans ma salle de bain. C'est rare que je vous prends avec vous, avec moi dans la salle de bain. Mais là, il est déjà tard. Enfin, il est tard. Il est un peu plus de 21h, mais Mathieu a fait une vente. Là, ce soir, il avait 2-3 trucs à vendre encore. Donc du coup, il les a vendus là. Parce que le mec, il a eu un problème de voiture. Enfin bref, il devait venir cet après-midi et il est venu là ce soir. Donc moi je me démaquille, les filles sont parties se coucher, Sarah elle est là avec moi dans la salle de bain, vous la voyez pas mais elle est là. Ah, vous avez une petite tête là de temps en temps. Elle est là, elle va pas se coucher tout de suite parce que comme demain elle a pas de centre, je la couche pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Coucou. Très fort aussi. Très fort de la vie entière. Oh mais je suis sûre que les abonnés ils t'aiment très fort de la vie entière aussi. Quoi? Ah oui, t'as eu tes nouveaux élastiques, quoi. Ils sont magnifiques. Attends, maman, cherche ces cotons. Là, donc je vous disais, on va regarder L'amour est dans le pré. Parce que hier, on a regardé Sam. Et il passe L'amour est dans le pré en même temps. C'est toujours comme ça, vous avez remarqué, quand vous avez une série qui vous plaît, et ben, il y en a toujours une autre en même temps qui passe. Donc du coup, bah, on regarde Sam le lundi. Et puis... le mardi, on regarde le replay de L'amour est dans le pré. Voilà.
Si vous vous demandez ce que je suis en train d'utiliser comme démaquillant, j'utilise d'abord les lingettes démaquillantes à l'huile micellaire de Barbara Gould. Voilà, tout simplement. Et puis après, je me passe un peu de démaquillant biphasé micellaire qui est archi connu, hein. Celui-là est très très bien. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et les deux combinés, je suis sûre que ma peau, elle est bien, bien, bien démaquillée parce que je déteste ne pas être démaquillée. Et là, j'avais plus de lingette et j'avais plus de coton pour utiliser mon démaquillant. Donc, c'était un peu la catastrophe. Voilà, donc on se retrouve après L'amour est dans le pré. Et ça ira vite parce que j'ai déjà monté mon vlog. Il me restera juste cette partie-là, là. Et puis, quand je vais le clore... Quand je vais le clôturer, quand je vais le clore, je sais jamais. Bref, j'ai déjà fait ma miniature, etc. Donc, tranquille, tranquille ce soir. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Petite soirée terminée. Il est, je sais pas quelle heure, 11h20, si je me trompe pas. Aïe. on a fini de regarder L'amour est dans le pré. C'était pas mal. Moi, j'aime bien. Du coup, on va aller coucher Sarah, qui est excitée comme une puce. Et que moi, je suis fatiguée comme une... Fatiguée comme quoi? Une barbotte? Ouais. Je suis désolée. N'oubliez pas de continuer à vous abonner, les amis, et à regarder la dernière vidéo. La dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, moi, je vous dis à demain en compagnie de Sarah, vu que demain, on est mercredi et qu'elle n'a pas école. Et de Roxane, évidemment. Et pas des jumelles, vu qu'elles sont au centre. Voilà. On fait tout plein de gros bisous et on vous dit à demain. À ce soir.